La saison d'hiver se termine. Les établissements ont désormais le regard tourné vers la saison d'été et s'organisent pour compléter leurs équipes. C'est le cas des hôtels-restaurants de Talloire qui terminent leur session de recrutement. On vient recruter le personnel pour cet été parce que c'est difficile de recruter l'été. Parce que maintenant, on s'aperçoit de plus en plus qu'ils font la saison d'hiver et ils partent en vacances l'été. C'est difficile de trouver des gens qui veulent travailler en fait. Alors pour attirer de la main-d'œuvre, les maisons n'hésitent pas à mettre à disposition des logements pour les saisonniers et ainsi améliorer leur offre de travail. Compte tenu du coût très cher des locations localement, nous avons la possibilité de loger la moitié de notre personnel sur place à l'hôtel. Donc on a un effectif au total de 25 à 30 employés et on est capable d'en loger une bonne moitié. Voilà, donc ça c'est sûr que c'est un argument fort pour pouvoir recruter du personnel. On va mettre des logements à disposition des personnes, donc c'est vrai qu'on va l'association permet de mutualiser ces logements. On va offrir aussi donc un bon cadre de travail, c'est-à-dire qu'on va commencer à mettre des personnes en horaire continu, on va offrir des bons salaires aux personnes, on va leur offrir un cadre de travail, donc c'est un extra travail qui est intéressant pour eux. Voilà, on va leur offrir l'accès à la plage gratuitement, on va leur avoir des réductions chez les différents commerçants du village. Donc ça permet vraiment d'avoir un bon esprit de travail. Pour mutualiser ses forces et faciliter les recrutements, les 6 établissements de Talloire ont décidé de s'unir en une association. On est 6 maisons, donc se rapprocher tous ensemble pour recruter tous ensemble, parce qu'on est plus efficace à 6 que tout seul, d'un côté. Et de l'autre côté, c'est de toutes nos maisons. Par la diversité de nos maisons, on peut attirer un vivier de talents qui est plus conséquent que tout seul. Et puis si jamais on a des candidatures sur certaines maisons qui ne nous conviennent pas, qu'on n'a pas des ouvertures de poste, on peut les envoyer sur d'autres maisons à qui le profil correspond également. Une union qui semble fonctionner puisque leurs équipes sont presque au complet. Lors de la première journée de recrutement, le 4 février, 40 personnes ont été embauchées pour cet été.